Face à face, sous tension, cette nuit à Bordeaux, entre forces de l'ordre et gilets jaunes. Plusieurs centaines de manifestants étaient rassemblés aux alentours de l'hôtel de ville en fin d'après-midi. Des accrochages sporadiques mais étalés sur près de 4 heures. Police et gendarmes ont plusieurs fois donné l'assaut. Poubelles en feu, panneaux arrachés, restes de barricades. Les rues portent les stigmates d'un long bras de fer. À la fin de la journée, 7 blessés à déplorer, dont un policier et un manifestant grièvement touchés à la main. La situation est finalement rentrée dans l'ordre vers 21h. Tension aussi au Pays Basque du côté de Biarritz. Les manifestants ont bloqué le péage de la Négresse, provoquant plusieurs kilomètres de bouchons. Du côté des gilets jaunes, un mot d'ordre, pas de violence. Les cœurs ! L'amour ! Ouais ! L'amour ! Oui ! C'est ça ! Là aussi, les manifestants ont fini par être délogés, ce qui n'a pas entamé leur motivation. On avait dit que le temps allait se durcir, il s'est durci. Je suis satisfait, content de la journée qu'on a passée. On a fait une belle action et on va continuer. L'autoroute A63 a rouvert en tout début de soirée. Démonstration de force aussi en Béarn, où les gilets jaunes ont tenté de pénétrer dans la mairie. Aucun incident à déplorer. Ce matin, les rues étaient à nouveau calmes.